Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les lettres des abonnés. J'espère que vous allez bien, parce que moi, bah ça va, je vous remercie. Alors aujourd'hui, on va déballer une petite dizaine de lettres à peu près. Alors je vous explique le principe pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas forcément comment ça marche. Quelque part, au niveau de l'écran, bah, il y aurait une adresse, c'est 278 rue de Rony, 93 en Montreuil. Bien sûr, on va mettre Anas, Monsieur Coty, vous connaissez la routine. Il y aura un petit encadré, sans doute ici ou là, avec l'adresse. Vous envoyez ça, vous timbrez, vous écrivez ce que vous voulez. Si vous voulez envoyer une lettre, un cadeau, un colis, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre, que vous soyez de Belgique, de France, de Suisse, du Canada, des îles, de n'importe où, même du Maghreb. Vous pouvez, parce qu'il y a des lettres, j'ai vu que j'ai reçu de Agadir, etc. Ça s'appelle pas etc, vous avez compris. Mais voilà, vous pouvez envoyer ce que vous voulez et bah, y a pas de problème, voilà. Donc je m'excuse un peu pour le retard comme d'habitude. Il me semble que là c'est les lettres de fin janvier, si je dis pas de bêtises. Et on va rattraper ça petit à petit, vous inquiétez pas. En tout cas, je tiens à remercier tous les petits loups qui m'ont envoyé des lettres aujourd'hui, enfin que je vais faire aujourd'hui. Tous ceux qui m'en envoient encore et encore, bah, je vous remercie et je vous remercierai jamais assez. Voilà, merci beaucoup et merci surtout à vous aussi qui regardez cette vidéo, parce que sans vous, bah, y a pas de communauté, et s'il n'y a pas de communauté, bah, y a pas des abonnés. Donc encore une fois, merci à vous pour le soutien que vous m'apportez, même si on n'est pas beaucoup par rapport au nombre d'abonnés. Eh bien, on s'en fout, c'est pas grave, on va pas non plus pleurer pour ça et on va commencer direct. Oui, je bouge beaucoup des mains, je suis un peu à Marseillais aujourd'hui, c'est pas grave. Allez, on est parti. Comme d'habitude, ma chaise. Hein. C'est une habitude. Alors, une lettre de... il n'y a pas écrit de nom de famille, pardon. Et je vais utiliser le cadeau qui m'était offert par Riggs. Je ne sais pas si vous avez suivi l'épisode précédent. Si c'est pas le cas, bah, coupez tout de suite, allez le voir. Parce que ça va spoil. Il m'a offert ceci avec une magnifique inscription. Alors, je ne sais pas si ça va bien montrer. Voilà. Riggs. By, enfin, pour Monsieur Coty, by Riggs. Et là, ça fait super plaisir. Donc, merci à toi encore une fois. Maintenant, on va pouvoir ouvrir les lettres logiquement beaucoup plus facilement. Enfin, je sais pas comment ça marche. Ah oui, d'accord. C'est nice. C'est nice. Donc, l'abonné qui habite, je sais pas où, que j'ai pas compris le nom de sa ville, mais c'est pas grave. Ouh là là. Ça commence par du catch. Vous savez tous que j'aime le catch. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, oula, ça va être difficile à lire aussi. Tu as le droit de tout lire en vidéo. D'accord, je vérifie bien s'il n'y a rien écrit derrière. Salut Monsieur Coty, je m'appelle Romain et j'ai 11 ans et j'adore tes vidéos. Bah, moi aussi, je t'adore. Voilà. Tu le sais, Romain, je t'aime beaucoup. Je te suis depuis un an. Je t'ai offert un paquet de cartes de catch. J'espère que ça te plaira et continue à faire tes vidéos. Tu es génial. PS, pourrais-tu regarder ma chaîne YouTube qui s'appelle Monsieur Alfano76 et me dire ce que tu en penses en envoyant un message sur ma page Facebook qui s'appelle Monsieur Alfano. Il n'y a pas de problème, j'irai faire un tour et je te donnerai un petit avis comme ça pour savoir ce que j'en pense. Et j'espère que ça te fera plaisir, voilà. J'imagine l'abonné recevoir un petit message, ça va faire plaisir. Et ce sera sur mon compte perso, hein, pas sur ma page. Et mon compte perso, vous savez comment il s'appelle, logiquement, je pense. Je suis pas centré aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, oh là là, on commence par le meilleur. Tu l'as mis en premier. Je sais pas si tu l'as fait exprès. En tout cas, c'est une carte de Edge. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Edge, c'est le catcheur que je préfère. Voilà. C'est pas la MAF que je préfère, mais c'est Edge. Ensuite, Triple Edge, qui combat contre John Cena, si je dis pas de conneries. Comme j'ai dit, grâce à vous, je vais faire la collection des cartes, des box, tout ça, là. J'aurai une collection de fou. Ah bah, en parlant de John Cena, André, t'as classé tout ça dans un ordre bien... bien respectueux. Jey Uso. Voilà. Focus. Voilà. Il a un petit peu du mal sur lui. Ensuite, on a The Great Khali. D'ailleurs, je crois plus qu'il catch The Great Khali, qui a fait une apparition dans le film Marsupilami avec Jamel Debbouze et Alain Chabat. Et ouais, plutôt... ça m'a fait rire de le voir. Ensuite, on a Return to the Ring, ok, c'est une carte... Lui, il me semble que c'était l'un des grands dirigeants à l'époque. Je sais plus s'il est toujours à WWE. Mais c'est genre le mec qui choisissait les matchs, etc. Qui disait, bon, lui, il catch avec lui parce que je décidais ainsi. Mais je sais plus si ça se passe comme ça. Bret Nuss Barrett, King Barrett, maintenant. Que je suis... enfin, je suis pas forcément fan de... ouais, le focus, il a un petit peu du mal aujourd'hui, hein. Je suis désolé. Il est un peu fatigué. Il a le droit d'être fatigué quand même. Le pauvre. Ensuite, là, c'est Steel Cage. Voilà. Ici, comme ça, là, vous la voyez. Bon, même mieux comme ça.
avec toutes mes petites mains. Ensuite, backstage ball. Hop là. Là, on a Jerry Lawler. Alors, c'est que c'est l'un des commentateurs, je sais bien. Mais personnellement, j'ai jamais vu combattre au niveau du catch. Est-ce qu'il était vraiment aussi bon que ça? Parce que là, il écrit 30 en défense, 30 en attaque. Ça n'a pas l'air terrible. Et du TLC match. Après l'Extreme Rules, c'est le mode que je préfère personnellement. Et voilà. Mais pas de problème, Romain. J'irai faire un tour sur ta chaîne et je te donnerai mon avis en message privé sur Facebook. Et puis, on va passer à la prochaine lettre. Attendez. Je vais juste tout bien ranger que pour savoir de qui ça vient, etc. J'ai pas. Oui, vous voyez du désordre partout. C'est les cartons que je reçois pour vous présenter ceci ou cela. Mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit un minimum ordonné. Alors, nous avons une lettre de Thibaut L qui habite à Soisy. À Soisy, dans 95. Alors, attendez. Excusez-moi, c'est galère un peu qu'en fait, en même temps, il y a du scotch. Avoir ça, c'est très bien. Mais si l'abonné a mis du scotch comme un petit rapace des piques partout, c'est un peu compliqué. Donc, n'oubliez pas surtout de scotcher vos lettres aussi. Hein. Je préfère galérer comme ça plutôt que. Que la lettre soit ouverte avant ou qu'elle soit piquée, etc. Alors là, il y a un dessin. Là, il y a une lettre dans la lettre. Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? Bonne question. Dans la lettre, il y a une feuille blanche. Je pense que c'est pour la dédicace en question. Si je dis pas de bêtises. Attends, on va remettre tout ça. On se prend pas la tête. On n'est pas, pas pressé. On n'est pas pressé. Ah oui, d'accord. Ne pas lire en vidéo, s'il te plaît. D'accord. Là, il m'a donné toutes ces infos. Et ça, c'est très bien qu'il m'a fait un petit papier où il a très bien écrit, d'ailleurs. Alors, là, il y a le petit dessin arrière que vous verrez après. Moi, je regarde souvent le retour pour savoir si je suis bien placé. Salut Coty, je m'appelle Thibaut, j'ai 14 ans. Je t'avoue, je l'avoue, je t'ai connu sur, grâce à GTA. Mais j'adore aussi toutes tes vidéos de catch, tes vidéos découvertes et les unboxings. Cela fait à peu près 2 ans que je regarde tes vidéos et je les adore toutes. Je n'ai pas pu te rencontrer à la PJW, mais c'est pas grave. Bah, l'année prochaine, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas rater. Attends, je ne peux pas rater tes lives, du moins jusqu'à la fin. Tu es mon YouTuber préféré avec la team La Salle. D'ailleurs, La Salle qui est à l'hôpital, maintenant il va mieux, donc tant mieux. Parce qu'il faut aller mieux, de toute façon. quel est ton préféré dans la team La Salle? Je dirais que mon préféré, c'est peut-être Aiden. Pourquoi? Parce que je l'ai vu en vrai à la PJW. On est resté un bon moment ensemble le samedi, je crois. Ou je sais plus quel jour. Enfin, il y a un moment où je jouais. Merci les écrans. Il y a un moment où j'étais sur la scène 2K pour le catch. Pour WWE 2K16. Et il était là. Du coup, je lui dis, vas-y, viens. Il est resté avec moi. On est resté quelques heures ensemble. Donc pour moi, c'est Aiden parce que je le connais un peu plus. Voilà. Ensuite, bravo pour tes 4000 abonnés. Merci beaucoup. Tu les mérites. Pourrais-tu m'envoyer une réponse ou un autographe? Je te laisserai une enveloppe. Je te suis sur Twitter et Snap. Tu préfères des rediffs, des lives. Bon courage pour ta maladie, je t'adore, Coty. J'adorais regarder Monsieur Coty raconte sa vie. Enfin, il adorait, pardon, excusez-moi, regarder Monsieur Coty raconte sa vie. Les histoires comme tu peux, comme tes peurs, tes douleurs, etc. Tu devais reprendre ces séries. Joyeux Noël et bonne année. Allez, salut. Dis-moi ce que tu penses de mes dessins. Il y en a derrière. PS, désolé, je n'ai rien à t'offrir. Mais il n'y a pas de problème. T'es fou. Ouais, bah, son petit dessin. Et là, il a fait un autre dessin. Normalement, vous le voyez. Hop là. Et bah, j'ai envie de dire que tu décides bien le logo. D'ailleurs, le logo, il va sans doute changer. Donc, ça reste collector. Et pour ce que tu m'as écrit ici, dédicace tout ça, ce sera avec grand plaisir. En plus, tu m'as bien tout écrit. Et je lis très bien. Voilà. Comme ça, en même temps, je vois ton Twitter, ton Facebook, ton Snap. Je suis sûr de te retrouver s'il y a un moindre souci. Et il n'y a aucun problème pour ça. Et pour les peurs, les hontes, ça reprend petit à petit pour ceux qui suivent un peu les vidéos. Et les Monsieur Coty raconte sa vie, pour l'instant j'ai rien à raconter, du coup je le fais pas. Ma vie n'est vraiment pas passionnante en ce moment, c'est vraiment la routine à son état pur. Mais si un jour ça va mieux, y a pas de problème, je ferai quelque chose. Ensuite, nous avons une lettre de je ne sais pas qui habite à Aulnay, dans le 14, à voir. Voyons voir ça. Ah, nickel. Peut-être le plus dur. C'est de trouver. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas franchement le coup de main, mais c'est pas grave.
Hop là. Ouh. Le genre de feuille qu'on n'a pas souvent en vidéo. Alors là, c'est la lettre. Et là, c'est quoi? D'accord, c'est une petite dédicace. Je vérifie derrière. À chaque fois, je vérifie derrière pour voir si ça n'a pas écrit que... Des fois, l'abonné met ses informations derrière. Du coup, si je vous les montre, c'est pas forcément cool. Par contre, j'ai l'air d'être un petit peu bas, en fait. Il faut que je me... Voilà, faut que je me tienne comme ça. Cher monsieur Coty, je m'appelle Dimitri B. J'ai 15 ans, je te suis depuis un an. Tu es mon youtubeur préféré. J'adore trop tes vidéos sur GTA 5, pardon. Est-ce que tu as la PS4? Si tu l'as, tu peux me donner ton PSN STP? Bah, malheureusement, comme je dis assez souvent dans les autres épisodes, parce que, encore une fois, ces lettres-là, ils n'ont pas forcément vu les vidéos que j'ai fait il y a deux mois, du coup, c'est un peu normal. Je peux pas ajouter sur le PSN, j'ajoute seulement quand je dois faire des vidéos et je dis sur Twitter, genre, venez, je vais faire un garage presque parfait, venez, je vais faire un gang du BMX, etc. Donnez-moi votre PSN, je l'ajoute, etc. Mais, etc. Mais sinon, je peux pas ajouter parce que pourquoi je t'ajouterais toi et pas un autre abonné? Du coup, pour un gain d'équité, bah, j'évite d'ajouter des gens. Et là, il m'a donné toutes ces informations parce qu'il veut une dédicace ou veut une réponse à sa lettre. Il n'y a pas de problème. Dédicace à Moss Le Monnier. Alors, je sais pas si je l'ai bien précisé, j'espère que oui. J'adore Coty, il m'a donné son Facebook. Donc, Moss, je sais pas si je l'ai bien dit. Bah, dédicace à toi, désolé si je l'ai mal dit parce que c'est écrit un petit peu bizarrement. Et il m'a fait un petit dessin qui est ici. Il a dit: Monsieur Coty, je t'aime. Fais du GTA 5 XTP. Ouais, en fait, j'ai l'impression d'être trop vieux pour GTA maintenant. Enfin, j'en fais, ça m'amuse toujours autant, je prends toujours un kiff de folie. Mais je pense que ma bonne étoile sur GTA. Disons qu'elle est passée, maintenant c'est plus pour la Team Lassalle, Baisanka, ou même plein de nouveaux youtubeurs qui font du GTA et qui ont la niaque pour ça. Moi j'ai l'impression d'être maintenant devenu un peu trop vieux peut-être pour ça. Et voilà. Peut-être, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc là, on a une lettre de Heyman, si je dis pas de bêtises, qui habite à Drancy dans 93, et ça je connais très bien. Allez, attendez, on va ouvrir ça. Ouais, en même temps, vu qu'il y a du scotch, vous voyez, vu qu'il y a du scotch un peu partout, du coup c'est assez compliqué. Même si on a le. Même si on a. Je sais plus comment ça s'appelle ça d'ailleurs. Eh bien, c'est assez compliqué vu qu'il y a du scotch partout. Là, il m'a envoyé plein de petites choses. Hein, de petites choses, c'est bizarre. Nous avons. Alors. Salut Nasser, eh bien salut. Je m'appelle Heyman, j'ai 14 ans et j'habite à Drancy dans le 93. Si, si, la famille, wesh. Désolé, mon écriture est illisible, j'arrive quand même à la lire, ça va. J'ai une chaîne YouTube à 11 abonnés, pardon, excusez-moi. Ça serait bien de faire un petit tour dessus, tes vidéos sont à mourir de rire. Malheureusement, t'as pas donné ta chaîne. Toi, tu dis de venir dessus, mais... Tu n'as pas donné le nom de ta chaîne, c'est un peu dommage. Et je vais être plutôt bête comme ça. Alors attendez, tes vidéos sont à mourir de rire, pardon. Tu as su me remonter le moral quand je me suis disputé avec ma sœur. Je te suis depuis presque un an et demi et je me lasserai jamais de regarder tes vidéos. Je t'ai mis quelques objets, pourrais-tu me les échanger contre quelques-uns de tes objets et un petit dessin t'attend. Alors là, il m'a fait son petit dessin. Le logo de la chaîne, et derrière, il m'a donné ses informations personnelles, donc c'est nickel, il n'y a pas de problème. Alors pour les objets, je veux bien, il n'y a pas de problème, mais vu que je dois répondre à des gens avant toi, et eh bien s'il m'en reste, avec plaisir, on va faire des échanges, tout ça, il n'y a aucun problème. De toute façon, tu es à Drancy, donc dans pas longtemps, il y aura une rencontre abonnée à Paris, et on va voir ça, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Alors, il m'envoie. Alors c'est un billet, 1000 Banca d'Italia, d'accord, c'est 1000 lire, je sais pas, ça représente combien. Je sais pas ça représente combien en monnaie, personnellement. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ça représente combien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Personnellement, moi, je connais le dinar, l'euro, le yen, le dollar américain. Après, le reste, j'ai un petit peu du mal. Il m'a envoyé une petite voiture avec numéro 16. Alors, encore une fois, qu'est-ce que c'est comme voiture? Je ne sais pas du tout. Par contre, j'espère que le focus va bien se faire.
Ah voilà, nickel. J'aime bien quand le focus le fait comme il faut. Oui, désolé si mes doigts bougent. C'est pas de ma faute. Et la dernière petite chose. La dernière petite chose. Mais la voiture arrête de bouger. C'est une tortue qui a la couleur d'un cochon. Voilà. Ah là, c'est nickel. On voit bien en plus. Merci beaucoup en tout cas. Ça, je l'aime beaucoup. Alors lui, il va aller ici, là. À côté de Mickey et Minnie. Hop là. Tu les surveilles, hein. Et s'ils bougent, bah tu m'appelles. Mais bon, le temps qu'ils viennent pour m'appeler, je pense qu'ils se seront déjà voir à Hawaï, Mickey et Minnie. Merci beaucoup en tout cas. Il n'y a pas de problème hein, pour ce que tu m'as écrit dans la lettre. Ce sera fait avec grand plaisir. Et c'est toujours du plaisir que je crois. Allez. Hop là. D'ailleurs, plaisir, c'est le mot magique de cette vidéo. Voilà. Ensuite. Hop. Nous avons une lettre. Elle est magnifique celle-là. Je sais pas trop. Je sais pas si vous la voyez bien là. Une lettre personnalisée. Et franchement, elle est super belle. Enfin, elle est multicolore et tout. Et ça fait plutôt plaisir. Attendez, on va voir si je vais réussir à l'ouvrir. Ma chaise, elle me tue à faire ce bruit-là. Alors par contre, là, vu que c'est du carton, je pense que ça va être un peu compliqué à. Ouais, ça va être un peu compliqué à l'ouvrir comme ça. Bon, je vais l'ouvrir à ma façon. Sans dénaturer tout ça. Parce que le but, c'est d'ouvrir proprement. Enfin, quand je dis proprement, c'est dans la limite du stock disponible. Voilà. Oh! Qu'est-ce que c'est? Je mets ça ici. Je bouge la souris pour éviter. Attendez. Ouais, bah, heureusement que je ne l'ai pas découpé comme un cochon. Hein. Franchement. Heureusement que j'ai pas découpé comme un cochon, j'aurais tout cassé. Alors, il m'a fait un petit bonne année 2016, de façon d'amour. Ça c'est très mignon. Ah bah, hey. En fait c'est un petit truc. Attendez, là il m'a fait bonne année 2016. Je sais pas si vous voyez bien. Bah, je pense que oui, voilà, le focus s'est fait. Et dedans en fait, il y a plein de petites choses où il y a d'amour. Enfin, il écrit quoi? Beaucoup d'amour et de bonheur, etc. Et le dernier, c'est quoi le petit dernier que j'arrive pas à voir? Ah voilà, ouais, c'est bien ça, c'est E2. Vous voyez pas, mais il y a bien écrit E2. Ça, c'est super mignon, une petite carte personnalisée, j'adore. Franchement, t'as pris du temps pour la faire, en plus, j'ai l'impression. Bah, merci beaucoup. Je fais un bisou, d'ailleurs, voilà. Monsieur Coty, tu es l'un de mes youtubeurs préférés. À chacune de tes vidéos, tu me fais rire. Par contre, je regarde pas tes vidéos de catch. Parce que je n'aime pas, et bien t'as bien raison, c'est comme moi par exemple, je regarde des youtubeurs, mais il y a des jeux que j'aime pas forcément chez ces youtubeurs là, donc du coup je regarde pas, ce qui est tout à fait normal, faut pas se forcer. Faut pas se forcer, et c'est comme à la télévision, par exemple je sais pas, des fois j'aime bien regarder TF1 pour qui veut gagner des millions, mais s'ils diffusent Koh-Lanta que j'aime pas forcément, ben je regarde pas. C'est pas pour ça que j'aime pas la chaîne. J'adore la série, j'ouvre les lettres des abonnés, désolé pour les fautes d'orthographe, parce que j'ai 9 ans... T'as 9 ans et tu m'as fait tout ça? Vous imaginez? C'est pour ça que je dis, souvent on me fait, ouais Coty, tes abonnés sont jeunes, etc. Nan, nan, nan. Et ouais, c'est les abonnés jeunes qui prennent vraiment plus de temps que n'importe qui. Et je fais encore un bisou, voilà. Désolé pour le truc que je t'ai offert, deux pattes cassées, sinon je regarde toutes tes vidéos depuis celle où tu descends le Mont-Chiliard en motocross. C'est une vidéo qui a vraiment pas mal plu les gens finalement. Sans t'arrêter, sinon je voulais savoir si je pouvais te renvoyer une lettre. Continue comme ça. Ah bah oui, c'est vrai que je vais jamais préciser, je le préciserai peut-être maintenant en début de vidéo, je préciserai à chaque fois, au pire. Si vous avez envoyé une lettre, et que depuis que je vous ai répondu, et que vous voulez renvoyer une lettre avec un petit truc en plus, etc., vous pouvez, hein, c'est pas limité à une lettre, vous pouvez envoyer autant que vous voulez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite d'envoi, il n'y a aucun souci. Et il m'a envoyé une petite chose, attendez. Très bien emballé en tout cas. Ça, je me rappelle, c'est un petit peu les trucs où... Là, il y a sa photo. Alors, je vais vous la montrer, parce que je pense que s'il me l'a envoyé, je pense que ses parents sont d'accord pour ça. De toute façon, je pense pas que ce soit lui qui a envoyé la lettre. Hein. Je pense que ce soit les parents, du coup. Gros bisous aux parents. Faut pas les oublier, parce que c'est vrai, c'est grâce à eux. Hein. Alors, voilà. Petite photo de la bonne. Là, il m'a pas dit son prénom. Ouais, tu m'as pas dit ton prénom. Voilà. Petite photo de l'abonné. Comme ça, moi, c'est ça. Ah! Mais le focus! Fait quelque chose! Ah, bah, le focus, il veut pas. Il est fatigué.
toute façon, vous le voyez un petit peu et c'est le principal. Et il m'a envoyé une petite chose. Ah oui, d'accord, je comprends quand il disait les pattes. C'est un dromadaire, je crois. Je ne sais plus avec le nombre de bosses qu'il peut avoir. Voilà, c'est un petit dromadaire. Attendez, je vais essayer de vous le montrer de face. Dromadaire, monte ta tête, s'il te plaît. Ah bah voilà, vous le voyez très bien, là. Ça sert à rien que je galère. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. Et ça, tous les objets qui sont précieux des abonnés ce que vous m'offrez, je le mets ici, au côté gauche, parce que ça reste à côté de moi. Côté droit, maintenant, c'est un peu moins le bordel, voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Attends, je vais ranger tout ça ici. Enfin, non, je vais bien ranger après, sinon ça va prendre trop de temps. Et on est parti pour une nouvelle lettre. Hop là. Voilà, je l'ai pris deux d'un coup. C'est pas bon, ça. Alors, une lettre de Nathan. Nathan G, qui habite à Juliange, dans le 43. Voilà. Cet ouvreur de lettres, franchement, professionnel. Hein. Alors, celle-là, franchement, j'ai bien ouvert. Celle-là. Je suis assez fier de moi. Ah, tu n'as pas écrit, petit rapace des piques. Salut Coty, si tu as réussi à ouvrir cette lettre, te voilà un guerrier cochon. Eh bien, je suis un guerrier cochon. Ah. Eh bien, oui, je suis un guerrier cochon. D'ailleurs, du baiser bragé, hein. Vous inquiétez pas, c'est bientôt le cas. Je te suis sur YouTube depuis ta 20e FAQ sortie le 26 février 2014. Putain, ça fait longtemps quand même. J'adore tes vidéos sur GTA V. Pourrais-tu refaire des vidéos carnage au tank? Elles me font trop délirer. Malheureusement, c'est pas possible parce qu'à chaque fois que je prends un tank, j'essaye, hein, je vous jure que j'essaye. À chaque fois que je prends un tank, eh bien, bah, la personne, soit elle meurt et après elle appelle un tank, soit elle se met en passif, etc. C'est devenu impossible. Du coup, c'est une vidéo de carnage au tank où je tue plus de PNJ et de policiers, etc., que de vraies personnes. Du coup, est-ce que c'est intéressant? Je pense qu'on perd on perd le truc par rapport à ça. À ce propos, je te lance deux petits défis. Le premier, tient plus de 15 minutes avec 5 étoiles en ville. Ce sera fait. En plus, d'accord. Comme ça, je dirais que c'est ton défi à toi, il n'y a aucun problème. Attaque la base militaire avec un tank et tient plus de 8 minutes. Malheureusement, pour l'instant, j'arrive toujours pas à avoir un tank. Mais le jour où, si j'ai un tank, eh bien, ce sera avec grand plaisir. Je ne sais pas si le deuxième est réalisable, mais le premier, oui, je l'ai fait quand j'étais chez mon cousin. Je pense l'avoir fait aussi, moi, à l'époque. Mais je vais le refaire, il n'y a aucun problème. Pourrais-tu aller sur ma chaîne YouTube, les madonnées, le nom de sa chaîne, c'est Natgan43, et mettre un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Je sais, je n'ai que 8 abonnés, je ne suis pas très connu, ça ne veut rien dire, ça. PS, quel est ton film préféré parmi ceux sortis en 2015, ton jeu vidéo préféré? Alors, le film que j'ai le plus aimé en 2015, c'est le film sur Mars avec Matt Damon, je sais plus comment il s'appelle, Seul sur Mars, voilà, il s'appelle comme ça, excellent film, une perle. Et mon jeu vidéo préféré en 2015, si je dis pas de bêtises, sur ce que j'ai voté cette année, je dirais que c'est Until Dawn. C'est un jeu d'horreur qu'on a fait en live, que j'ai mis en diffusion sur la chaîne. Et c'est énorme, parce que ça fait peur, et ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu d'horreur qui me faisait vraiment peur. Parce que maintenant, il y a plein de films qui sortent, enfin, il y a plein de jeux vidéo qui sortent sur PC, etc. Mais pour moi, c'est pas des jeux d'horreur. Là, c'était vraiment un jeu d'horreur. Et j'ai plutôt bien flippé, quand même. Ensuite, on a une lettre de Crépon dans le 14. Alors, je dis pas le nom ou le prénom, parce que je ne sais pas quel est le nom ou quel est le prénom. Du coup, pour éviter de faire des bourdes, je ne le dis pas. De toute façon, je pense que ce sera écrit dans la lettre. Alors, une petite lettre. Voilà, je l'écris derrière. Bonjour Monsieur Coty, j'adore tes vidéos, bravo pour tes 400 000 abonnés, tu es mon youtubeur préféré, j'adore tes découvertes, tes let's play, pourrais-tu faire des vidéos sur Black Ops 3 multijoueur? Oui, c'est prévu, j'ai même deux vidéos en stock, il faudrait que je les balance d'ailleurs. Pourrais-tu s'il te plaît me faire un autographe? Malheureusement, j'ai ton adresse mais elle est mal écrite. Alors si tu pourrais me renvoyer ton adresse par message privé sur Twitch, sur Twitter pardon, ou sur Facebook, mais plutôt sur Twitter, ça serait super gentil. Alors l'abonné, il va se reconnaître, je pense, parce que il a mis ce petit dessin, qu'en fait, quand j'arrive pas de l'adresse, pour éviter d'envoyer une lettre à une adresse dont je ne suis pas sûr de l'adresse, forcément, bah, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. D'ailleurs, on arrive à plus de 25 minutes de vidéo.
enfin chez moi en tout cas. Je vais vite fait couper et on reprend dans quelques instants. On a une lettre de je ne sais pas qui, je ne sais pas c'est qui. Oui, je dis toujours les mêmes conneries hein, depuis le début de cette série. Parce que bah, je suis comme ça. Ah bah tiens, la lettre s'ouvre plutôt facilement. Nickel. Hop là. Voyons voir ce que... Oh, ah non, j'ai un peu déconné sur la fin. Oh non. Le boulet. Alors. Elle m'a donné son adresse. Et... Salut Coty, j'espère que tu recevras ma lettre GG pour tes 426 000 abonnés. Continue comme ça. Encore un super gros GG pour avoir battu le cancer. Salut pour le roi des cochons. Mais je ne sais pas qui m'a dit ça. Ah, ah si. C'est Jamed. Jamed qui habite en Suisse. Vive la Suisse. Excusez-moi, ça fait un peu bizarre comme ça. Vive la Suisse. Voilà. Parce que vous faites du très bon fromage. Enfin, je crois. Ou des chocolats, je sais plus c'est quoi. Du fromage au chocolat. Merci beaucoup en tout cas pour ta petite lettre. Comme je dis assez souvent, même si la lettre est petite, c'est la pension qui compte. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Et vive la Suisse encore une fois. Les Suisses, ils sont très gentils. Comme les Belges. Très très gentils. Ensuite, nous avons une lettre de Bicente. Bicente B, qui habite à La Roche-sur-Yon dans le 85. La Vendée. Alors la Vendée, j'ai raconté une honte. Qui était avec une ex. Alors pour les enfants, n'allez surtout pas voir, hein, mais tapez si vous voulez, honte de Monsieur Coty, vous allez tomber sur cette vidéo. Mais n'allez surtout pas voir si vous avez moins de 16 ans. Voilà. Parce qu'après, je veux pas recevoir des lettres en disant Coty, tu dis des bêtises en vidéo. D'accord. Ah ben, y a plein de petites choses. Hop là, des dessins, tout ça. Là, c'est la lettre. Salut Coty, j'adore tes vidéos et tes blagues. Ben merci beaucoup. Je m'appelle Bicente. J'ai 13 ans, je te suis depuis un an, mais j'ai plus trop le temps de regarder tes vidéos à cause des cours. Eh bien, t'as bien raison. Il faut travailler, surtout à ton âge. C'est là où on construit son avenir et c'est très important. D'abord les cours, ensuite les vidéos. Pas les vidéos et après les cours. Ça se passe pas comme ça. Fais attention, hein. attendez. Mais on peut les voir et les revoir en replay. Bah oui, c'est bien le principe. Tu pourrais me faire une petite dédicace, s'il te plaît. Pardon pour les fautes, il n'y a aucun problème. Ne pas lire en vidéo, d'accord. Alors là, il me parle pour la dédicace. Il m'a donné son adresse, du coup, bah, je vous la lis pas à voix haute parce que vous n'avez pas le droit de savoir, voilà. Et il m'a envoyé, attendez, une petite... Attends, quoi qu'il y a dedans? Ah, à votre avis, dans chaque épisode, on est obligé d'avoir du Star Wars et du catch. Alors là, c'est Maître Yoda. C'est le cousin à Booba. Ensuite, nous avons le Stormtrooper. J'aimerais bien avoir un masque de Stormtrooper. Ça doit être super classe. Ensuite, nous avons Kylo Ren. Le méchant. Et nous avons le BB-8. D'ailleurs, j'avais hésité un moment à l'acheter, ce robot. Mais finalement, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Tu joues une semaine, et encore. Tu joues quelques jours, et après, bah, t'arrêtes d'y jouer. Voilà, ça peut paraître... C'est un petit peu inintéressant, je vais tout tomber. C'est pas grave. Alors, là, il y a le petit dessin qui est tombé par terre. Hop, là, c'est l'enveloppe. Ah, s'il vous plaît. Pardon, on la prendra après. Il y avait un petit dessin de cochon. Le focus, il va se faire tout seul ou pas? Non, il a besoin de ma main. Maintenant, il la connaît. Il se dit, ah bah tiens, voilà. C'est la main, on peut faire le focus. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est le focus, parce que j'ai dit des fois en commentaire des gens qui me demandent, c'est juste pour pas que ce soit flou. C'est que ça fait l'appoint. Et là, il m'a fait un... Ah non, en fait, il a imprimé le logo de la chaîne. Ah, ah, monsieur Coty partout. Merci beaucoup pour ta lettre et tes petits dessins. Ça fait super plaisir. Et bien sûr, pour les petits pogs. Moi, j'appelle ça des pogs, personnellement. Star Wars. Mais je suis vraiment bas. Voilà. Je me soulève un petit peu, ça me stresse. Ensuite, nous avons une lettre de Ayoub. Ayoub qui habite à Lille. Vive le Nord. D'ailleurs, peut-être que je serai dans pas très longtemps à Lille. Je vous ferai une vidéo, je vous le dirai si c'est le cas. Comme ça, on va peut-être pouvoir se voir. En plus, c'est pendant vos vacances. Donc, c'est plutôt cool. Alors. Oulala. Oulala. Il y a du rouge partout. Alors, je vérifie juste qu'il n'y a pas
une adresse derrière. Non, tout va bien. Pour Monsieur Coty, cher Monsieur Coty, c'est moi. Je m'appelle Ayoub, j'ai 12 ans. Désolé pour les fautes d'orthographe. Il n'y a pas de problème. T'inquiète, moi aussi j'en fais, tout le monde en fait. En tout cas, t'écris bien. Tu es le 4e meilleur youtubeur après Cyprien Squeezie et Guillaume 2.0. Bah merci beaucoup, ça fait super plaisir. Je te suis depuis un an et quelques mois. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me faire un autographe et un petit quelque chose STP? Merci, avec grand plaisir. Alors, en fait, il finit sa phrase. Me donner que je mettrai dans ma chambre et... Et j'arrive pas à lire la suite, excuse-moi, il a écrit un mot, j'arrive pas à lire la suite. Alors là, ma donnée, c'est coordonnées. Je lis juste si je peux le dire à voix haute, mais en fait, non. En fait, il m'a donné son adresse Gmail, il n'y a pas de problème pour me contacter. Et ensuite, il a fait le dessin. Désolé si des fois, je mets un petit peu de temps à lire, c'est pas que, voilà. C'est que des fois, je lis un peu plus loin avant de lire à voix haute, parce que, imaginons, s'il me donne son adresse, si je lis à voix haute, ça, voilà, c'est pas bon. Et là, il m'a fait son petit dessin avec des cochons partout, les 400 000 abonnés. Bonjour, on se retrouve pour une présentation. Blablabla. Arrobas Costac, félicitations, Ayoub, blablabla. Ouais, c'est bon, je vais tout vous montrer. Ah bah là, voilà, le focus c'est bien fait. Vous avez tout sans que je zoom. Et ensuite, il m'a fait un autre petit dessin. J'aime beaucoup le prénom, ce prénom Ayoub, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et là, il m'a fait un autre dessin. C'est quoi? Ah, c'est un cochon en prison. Mais pourquoi j'ai des menottes? Enfin, je comprends pas là en fait. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as mis des menottes? Je suis méchant. Tu me vois en prison, c'est ça? Enfin, je crois qu'il m'a mis des menottes. Hein. Pour moi, c'est des menottes. Mais non. Non. Ensuite, alors pour vous dire, pour ceux qui sont impatients, il nous reste 3 lettres. Voilà. Là, j'ai pris un petit peu plus de temps, j'ai pris un peu plus de lettres par rapport à d'habitude. Là, on a une lettre de Nicolas J, qui a 13 ans et qui est très fan de moi. C'est ce qu'il écrit derrière. Ça me fait sourire quand on me dit ça. Voilà, nickel. Hop. Alors là, c'est une lettre, je pense, pour une dédicace. Ouais, c'est bien ça. C'est nickel. Alors, Monsieur Coty, bonjour Monsieur Coty, comment tu vas? Bah moi je vais très bien et toi? À toi de me le dire. Moi depuis que je regarde tes vidéos, ça va nickel. Ah bah voilà, il m'a répondu. J'aurais dû dire avant. Je t'adore, continue comme ça, roi des cochons. Je me souviens plus depuis quand je t'ai découvert, mais depuis... depuis tu me remplis de joie à chaque nouvelle vidéo, t'es le meilleur youtubeur au monde, de ma part ne change rien, bisous, bonne fête de fin d'année. Oui, comme je dis, j'ai encore beaucoup de retard à ce niveau là, je suis désolé hein, j'essaie de rattraper ça comme je peux. En même temps, j'ai pas envie de vous faire 100 lettres en une vidéo, ça irait trop vite. J'ai pas envie de couper à tout va, enfin je pourrais couper à tout va pour que ça fasse des vidéos de 20 minutes et qu'on ait 20 lettres par vidéo, ça sert à rien. Le but c'est vraiment de prendre son temps. Du coup on a du retard, c'est vrai, mais comme ça, quand les semaines ou les mois où j'aurai pas de lettres, bah il y aura toujours des lettres à vous présenter. Ça c'est plutôt cool. Par contre, arrête de t'éteindre s'il te plaît. PS, est-ce que tu pourrais m'envoyer une dédicace? Mon adresse est pas donnée. Il y a pas de problème. En plus, il habite en Belgique, à Liège. Vive la Belgique! Qui sont très gentils. Et d'ailleurs, au mois d'août, je passe par la Belgique et je passe par Liège pour aller en Allemagne. Je sais pas si tu connais, hein, c'est à Cologne. Et voilà, il a fait son petit dessin cochon, mais je vous montrerai pas parce que juste au-dessus, il y a son adresse. Voilà. Et là, il y a sa lettre. Donc, je vous montre pas parce que c'est personnel. Voilà. Il n'y a aucun problème, je te répondrai une fois que j'aurai répondu aux autres. Donc, vous inquiétez pas si je mets un petit peu de temps pour répondre aux lettres. Hein. C'est juste que je suis une grosse feignasse. Donc, ne soyez pas trop impatient, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons une lettre de... Je ne sais pas comment il s'appelle, en tout cas il habite à Gentillet, je crois, dans le 94. Désolé que j'ai du mal à lire la ville. En tout cas, oui, c'est 94, ça suis sûr. Hop! En tout cas, le cadeau de Riggs, il m'est très utile. Voilà. En plus, on ouvre ça proprement, vous voyez. C'est pas. On n'ouvre pas ça d'une façon dégueulasse. C'est plutôt cool, même si là je galère.
What? C'est une lettre dans une lettre? Ah oui, c'est une lettre dans... What? C'est une lettre dans une lettre? Il y a des cochons partout, il y a des cœurs partout. Mais t'es un petit ratasse des piques qui m'a envoyé une lettre dans une lettre. Bientôt, on aura, vous voyez, les sortes de poupées russes, là. Genre, t'as la grosse poupée, et dedans, t'as une petite poupée, t'as une petite poupée, et ainsi de suite. On va venir faire pareil, bientôt, un jour. Je suis sûr, maintenant, qu'il y en a une qui a eu la vidéo sur ça. Il va m'envoyer une lettre, et il y aura ça. Je vais recevoir une lettre, et en fait, dedans, il y aura 20 lettres. Par contre, oui, là, je galère un peu. Forcément. Donc, je vais utiliser mon ciseau. Mes ciseaux, pardon, excusez-moi. Parce que les ciseaux, c'est le meilleur ami du cochon. Hop, oui, je galère. Hein. Je vais laisser toutes les galères que j'ai fait pour ouvrir les lettres. Vous aimez ça, hein. Je sais que vous aimez ça. Hop là. Et voilà. Alors. Alors, coucou Coty. Déjà, je voulais te dire désolé pour les fautes d'orthographe. Ensuite, bravo pour tes 400 000 abonnés. Ensuite, j'espère que tu vas bien. Bah, je vais bien, je te remercie. Moi, ça va. Si tu reçois cette lettre avant Noël, passe un bon Noël. Bah, on est très très loin d'être Noël, mais c'est pas le problème. Et au moment où je t'écris ma lettre, ma petite sœur est partie chercher des chouquettes à la boulangerie. Il écrit quoi, toi? J'ai pas trop de choses à dire. D'ailleurs, les chouquettes, j'adore ça. Même si c'est très sucré, j'adore les chouquettes. Elle m'a donné son adresse. J'adore tes lives depuis le 22 décembre. Merci beaucoup. Je m'appelle Youssef. Et tu t'appelles comme mon frère. Voilà. Mon frère aussi s'appelle Youssef. J'ai 15 ans. À Paris, j'habite. Il habite à Paris, oui, dans 94. Désolé pour le dessin, cochon. Je ne dessine pas trop bien. Si tu pouvais me faire un autographe, ça serait gentil, il n'y a pas de problème, encore une fois. Ce sera fait avec grand plaisir. Et je vous montre vite fait de loin. Hop, voilà, le petit dessin, parce que après, il y a les informations en dessous. Et le but, c'est pas de vous les montrer. Et en fait, il m'a donné le petit papier pour lui faire un autographe. J'essaie de trouver des papiers mieux qu'un papier simple comme ça pour vous répondre. Genre un papier avec des cochons ou je sais pas. Donc peut-être pourquoi je vous ferais, pourquoi pas imprimer des cartes personnalisées. Genre des cartes Monsieur Coty. Ça peut être sympa pour répondre. Je pense que c'est mieux que d'avoir un papier blanc. Ça peut être une bonne idée. Et la dernière lettre qui est partie en avion, qui vient de Belgique, de Liège encore une fois. Et là c'est Shahid A, qui habite en Belgique, comme j'ai dit, à Liège. Oh là-bas. Et là on représente toute l'Europe. Hein. On est sur le toit du monde. La Belgique, la Suisse, on arrive aussi à Paris, à Lille, en Vendée. On a juste eu pas de lettres du sud cette fois-ci. Quoique, peut-être une du sud, mais que j'ai pas forcément fait attention. Alors. Oh, c'est une très jolie lettre qui m'a faite. Alors, je vous montre ça juste après. Salut Monsieur Coty, et désolé pour le faute. Bah, arrêtez de vous excuser. Je n'ai que 12 ans. Et je te suis depuis des lustres, et je viens de Liège, en Belgique. Mon Skype, les madrugés, c'est personnel. J'aime beaucoup tes vidéos, je n'ai rien à t'offrir, mais juste des dessins. Attention aux yeux. Et là, il m'a fait des dessins. Alors, si je lis bien, il y en a un, c'est moi. Avec ma barbe, avec mes yeux tout plissés. L'autre, c'est Bart Simpson, un cochon, le logo de GTA. Un skateboard, c'est le skateboard de Bart, je pense. Un cochon qui regarde comme ça. Un logo qui représente, je ne sais pas, c'est plus quoi, Fallout 4, Monsieur Coty, et il m'a fait une petite carte avec son équipe favorite, et si je dis pas de bêtises, c'est la Belgique, hein, voilà. En même temps, j'ai vu Fellaini, j'allais dire Fellaini, Manchester, équipe rouge, je sais même plus s'il est à Manchester, Fellaini. En tout cas, avec les petits dessins, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup quand vous prenez du temps de dessiner des choses. Même si vous me dessinez un petit peu bizarrement, mais c'est pas grave. Vu la Belgique, ils ont une très bonne équipe. C'est vrai qu'ils ont toute leur chance de gagner l'Euro. Et c'est vrai, ça serait cool de les voir gagner l'Euro. Bon, je suis français, mais si ça pouvait être la Belgique, ça serait cool aussi. Et voilà, plus de lettres, c'est fini. Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir. Encore une fois, merci à tous les petits loups qui ont pris du temps. Et surtout, cette magnifique carte postale.
C'est pas que les autres sont pas bien, loin de là. Mais lui, ça se voit qu'il a pris plus de temps que les autres. Donc merci beaucoup pour vos lettres. Ça fait vraiment super, super, super plaisir. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé, que j'ai pas encore lu. Ça sera fait très prochainement. Merci à tous ceux qui en feront pour le futur. Vous pouvez laisser un petit like si ça vous a plu. Il y aura l'adresse quelque part au niveau de l'écran, sans doute vers le bain, vous savez comment ça se passe. N'hésitez pas à envoyer votre lettre, ne soyez pas timide. Si vous ne savez pas quoi dire, racontez votre vie, votre journée, si vous avez des frères, des sœurs, etc. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Il n'y a aucun problème. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et puis c'est tout, allez, salut.